Quand nous sortions avec des amis, c'est là que nous nous donnions rendez-vous. Nous l'appelions Stari, le vieux. C'est lui qui a donné son nom à la ville. Mostar, ça veut dire gardien du pont. Quand le pont a été détruit, j'étais à la tête du conseil municipal et nous avons tous pleuré. Mais j'ai aussi été témoin de la décision de le reconstruire, une semaine seulement après sa destruction. L'idée du contrat signé avec la Banque mondiale et l'UNESCO est de reconstruire le pont à l'identique, en utilisant la même pierre. Avec une condition sine qua non, faire travailler ensemble des membres des deux communautés rivales. Quand j'avais 9 ans et que j'étais écolier, pendant les vacances, je vendais des souvenirs aux touristes. J'ai acquis beaucoup de connaissances auprès des étrangers avec qui j'ai travaillé pendant plus de 10 ans. Et je vais m'efforcer de transférer ce que j'ai appris aux jeunes Khmers des générations futures qui veulent apprendre le travail de la préservation et de la restauration. Cet obélisque signifie beaucoup. À l'époque, des choses horribles se sont passées. Mais l'histoire de ce monument est aussi celle d'un monde qui change et où, finalement, les peuples peuvent s'entendre. C'est un symbole de l'identité éthiopienne. Nous l'appelons Hawalt, ce qui signifie monument éternel.